Bonjour à tous, nous sommes le 12 août 2024, il est 9h55. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, aujourd'hui je fais un service qui me fait rouler sur deux lignes différentes. J'ai déjà fait 3 tours et demi de ligne 1 et là j'ai 2 tours et demi de ligne 4 à faire. Donc là c'est bien foutu parce que c'est différencié par couleur. Rouge, la ligne 1, vert, la ligne 4. C'est les couleurs des indices de ligne, c'est très bien. Donc voilà, et je vous l'ai déjà dit, la ligne 4, je n'en ai jamais fait encore. Je l'ai appris la semaine dernière, vite fait. Donc d'ici, depuis les Clarions jusqu'à l'arrêt Via Agrippa, ça devrait bien se passer, mais c'est après Via Agrippa. On rentre dans un quartier qui s'appelle les Pieds d'Alou. Et c'est un quartier résidentiel, et tout est pareil. Il n'y a pas de point de repère, c'est assez difficile à retenir. Alors bon, j'ai quand même emmené avec moi le petit plan ici, là. Mais bon, la semaine dernière, il y a un collègue qui s'est perdu dans les pieds d'Alou. Il a eu du mal à retrouver son chemin, il a loupé deux arrêts, les gens ont téléphoné, se sont plaints. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Du coup, on va voir ça. On va voir comment ça va se passer tout à l'heure. Une grosse bestiole? Ah ouais, une grosse énorme. Merci. Allez, on est parti. S'il y a personne d'ici là, moi c'est que pour le bal normalement. Ah bon. Oh si, il y aura bien quelqu'un. Alors que plus. Non. Oh. Je vais m'arrêter là-bas, je vais ouvrir les portes. En espérant qu'elles sortent. Alors, allez, va, barre-toi. Voilà. Allez. Merci, monsieur. Ah. Ouais. Encore ici, ça va, on est à peu près tranquille. À la campagne, c'est. Mais dans le sud de la France, là, ils sont envahis.
Et au revoir.
revoir, bonne journée. C'est ici que ça se complique. Je suis obligé de prendre mon petit plan là. Donc si je me souviens bien, il faut aller à droite. Et encore à droite. Ensuite à gauche, jusqu'à là ça va. Donc là le bus est vide, il n'y a plus personne, je suis tout seul. Alors maintenant, donc là j'ai pas le choix, je continue. Ensuite je crois que je dois tourner à gauche là, ouais c'est ça. Là je reconnais. Parce qu'au milieu de la route, là, il y a une grosse bande blanche, donc ça c'est facile à repérer. Ensuite, tout droit. Là ça va, quand je vois un arrêt de bus je suis content parce que je sais que je me suis pas trompé, donc
Ça, c'est Guyenne. Donc, on continue. Il y a des priorités partout ici. Arrêt de bus, je suis sur la bonne voie. Donc là c'est Savoie, donc j'arrive dans ce temps là, faut que je tourne à droite. J'espère que je me trompe pas. Je suis arrivé comme ça, ouais, à droite. Jusqu'à là j'ai bon, 20 sur 20 pour l'instant. Ensuite Chantemerle, alors à droite. Là, je reconnais aussi, c'est bon. Et là, normalement, c'est à gauche. Ouais, je suis pas mauvais du tout. Hein. Bon, là, ici, leur truc, leur petit rond-point en pavé, là, on est obligé de rouler dessus, on peut pas faire autrement. Sinon, ça tourne pas. Hein. Encore un arrêt de bus, ça c'est bon. Alors là nous, donc là. Si je me trompe pas, c'est à droite. Ouais, c'est ça. Alors l'autre jour, on est passé par là avec mon collègue, il m'a dit tu peux, après les barrières, tu peux reprendre à droite. Mais moi j'ai dit peut-être que si je prends à droite, je vais monter sur le trottoir. Alors je vais essayer. Alors c'est bon, il avait raison. Mais ça passe avec un chausse-pied. Ici à droite, je ne sais pas si vous allez le voir, le stade Abbé Deschamps, le stade de l'AJA, l'AJA Auxerre. Vous le verrez mieux quand on repartira dans l'autre sens. Ben, je m'en suis pas trop mal sorti, ça va. Pour une ligne que j'ai appris en faisant un seul tour, je trouve que c'est pas trop mal.
Mais heureusement que j'avais mon petit plan quand même avec moi. Alors on va voir ce que ça va donner sur le retour. Parce que là, on arrive au dernier arrêt. Et voilà, carrière, terminus. Et j'ai même pas de retard, j'ai 30 secondes d'avance. Maintenant, on nous a dit, ne restez pas là, ne restez pas en pleine voie pour faire votre pause. Donc, on va aller faire la pause dans un endroit où on gêne pas. Par contre, c'est en plein soleil. Ah. Et voilà. Et je repars dans 12 minutes. On va couper le moteur.